Selon les vœux du pape François, nous sommes dans l'année de la famille Amoris Laetitia. À cette occasion, du 26 décembre, jour de la fête de la Sainte Famille, jusqu'au 26 juin, la pastorale des familles vous invite à recevoir chez vous l'icône de la famille. Ce médaillon montre l'amour de Dieu pour la famille. À l'origine de la famille, cet amour la soutient aussi à chaque moment de sa vie. Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham qui était assis à l'entrée de la tente. Abraham leva les yeux et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Le voyageur dit à Abraham : « Je reviendrai chez toi au temps fixé, pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Le voyageur est ici représenté au centre de l'image par trois hommes aux traits similaires. Cette figuration renvoie à la Trinité, Dieu unique en trois personnes. À gauche et à droite se tiennent respectivement Abraham et Sarah. Ces deux personnages importants dans l'Ancien Testament sont en position d'accueil, comme le suggèrent leurs mains ouvertes. La composition de l'image évoque la place accordée à Abraham et Sarah pour Dieu. Il prend la place centrale dans leur vie de couple. Cet épisode intervient d'ailleurs à un moment très précis de leur vie. Sans enfant et âgé, le couple est voué à la stérilité et à la disparition. C'est ce moment que Dieu vient visiter. Abraham et Sarah sont ainsi la première famille à qui Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, s'est révélé. Ils offrent à Dieu tout ce qu'ils ont. En retour, Dieu leur fait une promesse d'enfant, une promesse de vie. Merci Seigneur pour ton désir de faire alliance avec chacune de nos familles. Avec toi, nous voulons partager nos projets, nos joies, nos difficultés, tout ce que nous vivons en famille.